Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va la forme, ça va la forme. Boum, 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 vous avez compris, ça veut rien dire. Mais j'ai l'habitude, c'est ma phrase d'intro. Voilà, peut-être que je penserai un jour à la changer, je sais pas. Moi, ça me plaît. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout en commentaire, je parle un peu très vite pour un début de vidéo. Non? Bon, allez, let's go, rentrons dans le vif du sujet. Les amis, aujourd'hui, le concept, il est très très simple. Aussi simple que je l'ai oublié, en fait. Laissez-moi vérifier. L'intitulé exact. Alors, voilà, l'intitulé exact, c'est les fans... J'ai déjà oublié. Les fans... Non. Le concept du coup c'est les fans qui sont allés beaucoup trop loin. Donc les fans que ce soit de musiciens, de chanteurs, bref des gens connus mais pas des gens connus à l'échelle française. On va parler plutôt je pense des gens connus à l'échelle planétaire. Donc des gens vraiment ultra connus en fait. Donc des mecs comme Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, des voilà, des gros quoi. Même pour moi le concept est pas très clair, je me suis pas spoilé. C'est à dire que du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis comme vous, je vais cliquer sur quelques sites que j'ai prévisualisé vite fait. Enfin j'ai pas vu les photos. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour un concept de vidéo. Donc je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque. J'espère que ça sera pas trop hardcore. Mais avant ça, tiens, qu'est-ce que j'entends? Tu l'auras compris, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par l'agence Attractive Business. C'est une agence qui met en relation des entreprises, des prestataires avec toute une communauté d'acheteurs. Donc si tu es vendeur indépendant, cette agence est faite pour toi. C'est en quelque sorte un énorme catalogue d'entreprises qui veulent développer leur business mais qui ne veulent pas forcément prendre quelqu'un en CDI par exemple. Et qui ont du coup peut-être besoin d'une personne comme toi, indépendante. Et c'est toi qui décides avec qui tu veux travailler, quand tu veux travailler et où tu veux travailler. En gros, t'es ton propre patron. Et si tu n'es pas encore vendeur indépendant, pas de soucis, tu vas pouvoir le devenir grâce à l'agence et leur formation. Il te suffit d'avoir un compte CPF pour pouvoir faire une formation de vendeur et ensuite devenir un vendeur indépendant. Il te suffit de te former avec la formation prise en charge par votre CPF. Attention maintenant, bon plan. Une fois la certification obtenue, donc la réussite au diplôme où il y a plus de 95% de réussite, tu peux récupérer sous forme de virement bancaire ou alors de bon d'achat 300 € que t'offre l'agence. Si ça vous intéresse, rien de plus simple, je vous mets le lien de leur Instagram directement dans la description. Sur leur Instagram, vous pourrez directement trouver le lien de la formation. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci à l'agence Attractive Business d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on est parti. Première photo les amis, les One Direction sont inaccessibles, tu peux te marier avec leur version papier. C'est glauque ça. C'est un vrai mariage. Parce que si c'est le cas, c'est très bizarre. Ouais. J'avais oublié les One Direction. C'était l'époque des One Direction. C'était, je pense, il y a peut-être 10 ans même. C'était les... comment on appelle ça déjà? Les gangbangs. Oh merde, le lapsus de merde. Ça, c'est deux mots comme ça, les boys band. Voilà, j'ai retrouvé. Et non gangbang du coup. C'est pas trop la même chose. Bon. Du coup, ouais, ça me rappelle l'époque des boys band il y a une dizaine d'années, comme ça. Donc, ouais, les One Direction. Bah, écoutez, je me souviens, c'était surtout les groupies et les femmes. Les hommes, j'ai pas l'impression que les hommes étaient vraiment fans de ces boys band. C'était surtout les nanas, en fait. Et les nanas, elles étaient hystériques, je m'en souviens, c'était un truc de fou. Bref, c'est un peu bizarre. Deuxième photo. Faire un tatouage, c'est la manière idéale pour montrer ton amour à ta star préférée. Nanana. Alors, là, nous avons un mec qui s'est fait tatouer. Ah oui, c'est Kylie Jenner. Je sais même pas qui c'est. Je connais juste de nom. Kylie Jenner. Donc, je pense qu'il s'est fait tatouer sa marque de... Je sais pas ce que c'est, sa marque de fond de teint, j'en sais rien. Pour le coup, j'y connais rien du tout. Bref, c'est un fan qui s'est fait tatouer tout simplement des trucs en rapport avec son idole. Quoi. Allez, next! Qu'est-ce que nous avons? Cet homme a fait 82 tatouages de Julia Roberts. 82 tatouages de Julia Roberts. Ah ouais, mais le mec, vas-y, c'est un cahier de brouillon son corps en fait. C'est que des tatouages, on dirait gribouillés. Enfin, je sais pas s'il y en a qui trouvent ça beau, mais personnellement, j'ai du mal. Hein. Alors là, c'est soit un fan, soit un gros fétichiste de... c'est possible d'être fétichiste d'une personne? Non. C'est pas possible. Ou si c'est peut-être possible. Que le mec a une fixette sur une personne. C'est... Ouais, bon, bizarre. Alors là, pour le coup, je suis en train de regarder la photo, mais je suis en train de me rendre compte qu'on a que le haut de son corps. Donc on n'est pas sûr de la possibilité qu'il en ait peut-être ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Ha ! Ça m'étonnerait pas qu'il en ait une sur la verge. Et qu'il la fasse gonfler de temps en temps. Julia Roberts. Pas très sûr de cette blague. Pas très sûr de cette blague. D'autres fans choisissent des tatouages kitsch. C'est bizarre ça, putain de merde. Le mec il a utilisé son téton pour faire un œil. C'est bizarre, non? Ouais, c'est bizarre. Peut-être qu'il y en a. Après, c'est de l'art hein, pour certains. L'art est subjectif. Chacun trouve un truc beau, alors que d'autres personnes vont trouver ça hideux. Je suis sûr, de toute façon, statistiquement parlant, c'est sûr que là, ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui vont trouver ça bien. Bah, main coupée, c'est évident. Sur un échantillon, tu sais pas, de 10 000 personnes, il y en a forcément au moins un qui va kiffer l'idée. Donc l'art, c'est subjectif. Personnellement, j'aime pas. Mais voilà. Je sais qu'il y en a qui. De toute façon, il y en a qui aiment tout, hein. Tout ce que toi tu trouves moche, il y en a forcément qui vont trouver ça beau. Bref, voilà. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, c'est que des trucs en anglais, bi. Et là, nous avons une personne qui s'est fait tatouer le nom de Drake sur son visage. Et cette même personne s'est rasé les sourcils. Alors, est-ce qu'elle avait besoin de se raser les sourcils pour se faire tatouer ça? Je sais pas. Mais du coup, ça fait un peu look sataniste. Les sourcils en moins, Drake sur le front, la capuche, ça fait très ténébreux tout ça. Ça m'étonnerait pas que cette personne invoque Satan en pleine nuit. Je sais même pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, j'arrive pas à... Je pense que c'est une femme, mais pas sûr. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un homme ou une femme.
femme, ça... Potentiellement, je suis sûr que là aussi, ça va être mitigé. Mais je pense que c'est une femme. Allez, suivant. Alors là, nous avons le logo du Manchester United, si j'ai pas de conneries. Je suis pas très branché foot, mais il me semble que c'est ça. Alors, je suis tellement pas branché foot que j'arrive pas à comprendre. Ah, je suis con. Il a un tatouage du Manchester United sur le front et je dis j'arrive pas à comprendre la subtilité. Alors qu'en fait ça me paraît moins gros. Enfin non, si c'est gros en fait, c'est complètement gros. Qui fait ça, ouais? J'ai jamais vu ça, c'est vrai. Je suis mal réveillé, hein. C'est quoi? Vas-y, on va la refaire. Putain, mais le gars il s'est fait le tatouage du Manchester United sur le front, quoi. Ah ouais, truc de fou. Suivant. Là nous avons... Alors là c'est pas... Ouais. Pour le coup ça je veux bien. Même moi je serais prêt à le faire pour un gage, un défi. Ça se fait. Franchement en une semaine tu vois plus rien. Le temps que les cheveux repoussent. Alors j'ai pas reconnu le personnage par contre. Nicki Minaj. Ok. Elle pose souvent comme ça Nicki Minaj en photo. Ah ouais. Ouais. Bof. Écoute. Disons que ça c'est pas un truc irréversible comme les tatouages. Ensuite, next. Alors ça... Alors qu'est-ce que c'est que ça là? Oulalalala. Qu'est-ce que... C'est que ça. On a un homme avec les lèvres de Boostiflore dans Pokémon. Il y a des fans qui vont super loin pour ressembler à leur idole. Ce gars voulait les mêmes lèvres que Kim Kardashian. Kim Kardashian, je connais pas très bien non plus. Enfin, c'est pas des meufs que je suis beaucoup sur les réseaux, ça. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait une bouche comme ça. Hein. Ou alors je me trompe, mais je pense pas qu'elle ait la bouche pareille. Là, le mec, on dirait qu'il s'est fait piquer par un frelon asiatique. Puis, il y a pas que ça, même les sourcils. C'est moche. On voit que c'est fake. Et ouais, bon. Chacun son délire. Après, je suis personne pour juger, hein, mais encore une fois, c'est pas mon style d'art, on va dire, si on peut appeler ça. De là. Next. Ah oh là 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 là. J'arrive pas à y croire. La meuf, elle a trouvé Justin Bieber. Alors je pense que c'est une vieille photo parce qu'il a l'air assez jeune là. Ses cheveux en fait étaient collés à lui et en fait elle a coupé tout simplement ses cheveux. Au lieu de dire j'ai serré la main à mon idole en mode je me lave plus la main, la meuf elle s'est dit bon je vais continuer de me laver, mais vu que mes cheveux ont touché Justin Bieber, je vais couper mes cheveux et je vais garder cette mèche qui l'ont touché. C'est très loin dans dans la fanerie, dans la fanatique. Non, ça n'a rien à voir. Très loin dans l'idolâtrie, voilà. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors qu'il était encore la star de Vampire Diaries, Ian Somerhalder a fait une rencontre au Comic Con dont il se souvient probablement encore, et visiblement il ne peut pas aller aux toilettes tranquillement. Alors qu'il en sortait, une fan déguisée en Wonder Woman l'a attrapé par le cou, plaqué contre le mur et lui a répété plusieurs fois je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'a pas appelé la sécurité et la fan a finalement lâché son cou. En fait tu prends peur. Moi des fois ça m'arrive, on me reconnaît. En fait la personne elle regarde tellement tes vidéos que bah, elle te connaît. T'es comme si c'est comme si t'étais son pote en fait. La personne elle te voit tous les jours, te voit même plus que ses propres potes. Donc au final, la personne t'idolâtre tellement, elle a l'impression que tu fais partie de ta vie. Sauf que, à contrario, moi par exemple, quand je vous croise dans la rue ou quoi que ce soit, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Donc quand t'as quelqu'un qui te saute au cou et qui te dit oh ça va mec et tout, et qui te saute au cou, t'es pris un peu au piège en fait, parce que toi tu connais pas la personne, tu vois. La personne te connaît, mais à contrario, tu la connais pas. Donc la personne, t'as pas l'impression que quand elle arrive, toi tu penses pas dans ta tête, c'est bizarre. Des fois il y a des arrivées qui sont bizarres. Le mec se jette littéralement sur toi, c'est bizarre. Même des fois on m'interpelle ou on me klaxonne, fait oh, moi par réflexe pareil, je fais oh salut. Ça va, tu vois. Me dit, soit je connais la personne, donc je lui fais signe dans le doute, ou soit c'est un abonné, tu vois. Donc je sais pas. Des fois, voilà, c'est un peu compliqué ce genre de situation. Bref, c'était mon petit discours. Ensuite, nous avons Norman Reedus dans Walking Dead. Emblématique ce mec. Franchement, c'est un des personnages préférés de la série, voire même le personnage préféré de tous les gens qui ont regardé cette série. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là, le petit Norman? D'accord, donc il y a une fan qui l'a mordu lors d'une rencontre à une convention. D'accord. Du coup, elle est dans le thème de Walking Dead, je comprends. Mais il explique qu'une autre fan lui a envoyé cette fois-ci des implants mammaires. What? Elle pensait qu'il était déprimé et elle l'a fait pour lui remonter le moral. Ah ouais, putain. Il a avoué cette anecdote lors d'une interview et il a aussi avoué qu'il avait gardé les implants mammaires pour s'en servir pour poser son téléphone. Vous en faites ce que vous voulez. Ok, bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas trop dans quoi je m'aventurais. On est parti sur des anecdotes un peu bresson, comme on raconte dans le milieu. C'est bien sombre comme il faut. Des autres anecdotes un peu plus soft, des trucs qui m'ont un peu moins choqué, notamment sur la fin. Il y en a, ça allait. Après, tout ce qui est tatouage, tout ça, ça m'a un peu. J'avoue, pas choqué, mais j'avoue que c'est gros. Le coup des 82 tatouages sur le corps, c'est bizarre. Y a pas eu que ça, hein. On en a eu des pépites. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez trouvé le plus fou comme geste que les fans ont fait pour leur idole. Dites-moi ce que vous avez trouvé le plus abusé dans les commentaires. Sur ce, si le concept vous plaît, on fera cette fois-ci une partie 2, mais je m'arrangerai pour trouver cette fois-ci les meilleurs. Je dirai à quelqu'un de me sélectionner tout simplement les meilleurs. Comme ça, je regarderai directement les meilleures choses que les fans ont fait pour leur idole. Sur ce, les amis, fin de vidéo. Petit pouce bleu, abonnement, commentaire, active la cloche, partage. Je crois qu'on a tout dit. Puis voilà, c'est déjà très bien. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Arthur. À bientôt. Ciao.